Bonsoir, Abi Saïd. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va, ça peut aller. Malgré la chaleur torride qui a suivi aujourd'hui, ça a dépassé une plante verte. Ça a dépassé les 37 degrés. C'est encore une plante verte qui se rafraîchit. Vous allez bien? Hein? Vous allez bien? J'ai de l'espoir, Bongo. Ah, il très bien. J'aimerais vous poser une petite question. Oui. Voilà, les internautes qui consultent cette vidéo, normalement, on devrait leur donner un petit aperçu sur l'association Ekhounef. Et en tant qu'adhérent et habitué de l'association Ekhounef, comment pouvez-vous... J'essaierai de vous donner un aperçu succinct, hein, sur l'association Ekhounef. L'association Ekhounef est à caractère social, non lucratif, c'est le bénévolat. Ouais, exactement. Notre tâche consiste essentiellement à essayer de rendre le vécu quotidien des gens touchés par la maladie, et Dieu seul sait, c'est une frange très importante de la société, qui endure encore 16 ans, de la rendre, je dirais, moins triste. Plus précisément, des enfants victimes de la séparation conjugale. Avez-vous des dans cette histoire, dans cette histoire de la problématique sociale, certes, ceux qui sont touchés le plus, c'est bien nos enfants. Les jeunes. Oui. Parce qu'ils sont les plus sensibles. Exactement. On peut en faire ce qu'on veut, surtout à un âge. C'est un âge d'innocence, mais également. L'enfant est photosensible. Oui, photosensible comme la photo. Exactement, on dit que l'enfant est comme une page blanche. Ah, voilà. Ah, ça fait ressortir. Pour paraphraser Victor Hugo, quand l'enfant paraît. Point de suspension. Quand l'enfant paraît. Ouais. Vous m'avez compris. Quand l'enfant paraît, exactement. S'agissant des activités et de ce qu'a organisé l'association dernièrement, du 1er au 4 juin. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans ces activités? Je dirais qu'à l'issue de plus de 3 ans d'existence, cette association a essayé cette année d'entamer des festivités à la hauteur de la tâche qui nous est assise. Elle s'est déroulée du 1er au 4 juin dans une atmosphère de liesse, dans une atmosphère conviviale. Exactement. Et c'est ce qu'il y a. C'est ce que tout le monde a remarqué et a vécu durant ces 4 journées qu'a organisé l'association Ekhounef. Ah, tu vas voir, c'est magnifique. Donc, je dirais, nous devons rendre à l'enfant son souffle. Exactement.